Salut à tous, je suis content de vous proposer aujourd'hui la vidéo, enfin cette vidéo pardon, de cette box collector limited edition de chez Panini. Donc c'est sur, ce sont des cartes en fait One Piece tirées du film One Piece Red, que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais que je regarderai certainement après avoir ouvert ces petites box. Donc c'est parti. Donc elle est disponible en fait sur le site Panini pour un prix de 20 €. En fait à l'intérieur il y a 20 cartes. Et un petit livret apparemment, mais je n'en sais pas plus, donc je vais vraiment découvrir ça avec vous. Donc là nous avons une très très jolie première carte. Je sais pas du tout comment ça s'ouvre. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. En fait non, ça c'est pas la carte, c'est juste un petit présentoir. Donc les cartes sont à l'intérieur. Là je découvre vraiment en même temps que vous. Donc les cartes sont assez sympas, l'effet est vraiment classe, je trouve, elles sont plutôt réussies. Vous me direz dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment très très belles, elles sont très quali. Ça fait un effet un peu... Enfin, il y a une texture en fait sur les cartes, franchement elles sont très belles. Honnêtement, je les trouve très sympas. J'appréhendais un petit peu de savoir comment elles allaient être, mais franchement elles sont très jolies. Elles sont très quali. Et je vous dis, il y a au toucher, il y a une petite texture là-dessus. Et franchement, ouais, elles sont vraiment très très belles. Avec des beaux beaux effets. Ah, franchement, je suis content. Je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est quand même. Parce que 20 € pour 20 cartes seulement. Bon voilà, ça fait 1 € la carte en gros. Donc ça fait quand même un coup. Mais voilà, c'est une box édition limitée, comme je vous ai dit. Hein, vous ne la retrouverez pas... très longtemps sur le site de chez Panini. Donc si elle vous intéresse, franchement foncez et dites moi dans l'espace des commentaires comment vous trouvez les cartes. Bon, je les trouve franchement pas mal, honnêtement je les trouve pas mal, elles sont plutôt plutôt réussies dans l'ensemble. Celle-là est très chouette, très très chouette. Et voilà, donc là c'est la fin. Franchement très belle découverte, la boîte est plutôt pas mal aussi je trouve hein. Je vous la montre un petit peu plus en détail. Donc voilà ce qu'on peut voir sur l'arrière de la boîte. Donc vous voyez le prix, hein, c'est 19,95 maximum. Donc franchement, ouais, très très joli. Donc voilà, dites-moi dans l'espace de commentaires ce que vous pensez de cette petite box édition limitée de chez Panini. J'ai retrouvé le petit livret qui était coincé à l'intérieur de la box. On a quelques petites informations en fait sur le dessin animé. Donc on parle un petit peu de quelques petits... Il y a quelques détails en fait sur certains personnages. Et à la fin, donc, ils nous disent un peu de quoi est composée la collection en fait. Hein. C'est une série de cartes métallisées avec un effet brillant et mat. Donc c'est une collection complète. Et voilà, donc on veut un incontournable pour les vrais collectionneurs. Et donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est assez petit. Donc il nous parle vraiment de tous les personnages qu'on peut retrouver là sur ces 20 cartes. Donc franchement je trouve ça assez sympa. Je suis assez content de l'achat. Hein. Franchement je trouve que c'est plutôt réussi. Donc voilà, c'était un petit passage rapide. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit coffret. Et puis moi je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut à tous!